tous les sports à Dunkerque. Il n'y en a qu'un qu'on a plus de mal à faire, c'est l'alpinisme. Vous connaissez la Flandre, c'est une plaine. Alors on a des murs d'escalade, mais franchement les montagnes, on n'y arrive pas. Mais tout le reste, on peut le pratiquer. Donc beaucoup d'adhérents, beaucoup de participants, énormément de bénévoles, c'est sur eux en grande partie que tout repose. Un soutien des collectivités locales qui ne s'est jamais démenti, à la fois pour le grand nombre, pour que ce soit vraiment populaire le sport ici, le plus grand nombre, les jeunes, mais aussi pour du sport de haut niveau. Et là, je citerai le basket, le handball, le volley, je dirais un mot du foot, mais il n'est pas encore au haut niveau. Mais dans le fond, nous on soutient tout ce qui peut porter au loin les couleurs d'une ville comme Dunkerque. Ce sont nos ambassadeurs et c'est une manière de vivre ensemble. Oh là là, le Tour de France, mais il en est, je ne sais plus à sa combien d'éditions. Je n'étais pas maire qu'il tournait déjà autour de la France. Donc il y a eu pas mal de départs, mais ça fait maintenant 4 ou 5 ans, je crois, que nous avons relevé le gant d'organiser ici le départ du Tour de France de façon systématique, avec des organisateurs qui sont d'excellents partenaires. Et il y a une rénovation, je crois, que ce Tour de France cette année. Ils ont l'Agnac, ils en veulent. Nous-mêmes, nous avons fait en sorte d'avoir un bateau qui soit peut-être plus performant, un challenge qui sera revêt. Nous aimerions bien faire un podium, mais on m'a dit que je ne devais pas le dire. L'équipage féminin, parce que au début c'est une rencontre entre les filles sur la route des îles 2004, et ensuite c'est un défi de se dire toutes les filles à tous les postes sur un seul bateau, est-ce que ça peut marcher pendant 4 semaines à tous les niveaux, que ce soit en termes de performance ou humainement. Donc on y croit et on est positive et on espère faire une belle histoire. Je crois que l'équipage éminence court pour plusieurs raisons. Dans le désordre, il y a la passion, ça c'est sûr, mais il y a aussi le fait que, au travers de mécénat chirurgie cardiaque, on a opéré une petite fille qui s'appelle Laurence, qui a 4 ans, qui était atteinte d'une malformation cardiaque. Et 7 500 € du budget, l'éminence sont repartis pour cette opération. Donc voilà, on essaye de se rendre un peu utile par rapport à notre sport. J'ai participé plus de 10 fois à ce Tour de France à la voile et j'avoue qu'à date d'aujourd'hui, eh bien, j'aimerais bien être sur un des bateaux. Alors vous allez me dire pourquoi pas être sur le bateau dunkerquois, mais bon, les équipes se sont refaites, ressoudées. Moi pour ma part, j'étais sur plusieurs océans récemment et donc j'avais pas l'occasion de me préparer sérieusement et il a fallu laisser la place à d'autres équipiers du secteur et du cru qui, à mon sens, peuvent prouver qu'ils ont encore du potentiel pour montrer que le Dunkerquois et que le Jean du Nord sont des belles pointures en navigation. Ce musée d'art contemporain né en 82, d'une histoire folle. Un homme, seul, passionné de Dunkerque, qu'il a découvert en tant qu'agent de la DDE, ingénieur DDE, passionné de cette ville qui tous les ans se transformait devant lui avec l'arrivée d'usines, avec les travaux du port, tombe parallèlement quasiment amoureux de l'art contemporain et décide qu'il n'est pas possible que la ville soit à la pointe de la technologie industrielle et portuaire. Et en même temps, au niveau de l'art contemporain, qu'il reste en quelque sorte à l'ère des bateaux à voile. C'est le terme qu'il utilise pour expliquer un petit peu ce qu'il veut faire. Il décide alors seul d'écrire à 1000 chefs d'entreprise dans les années 70 pour que ces entreprises l'aident à acquérir une collection d'art contemporain qui ferait la fierté de la ville et qui serait le miroir exact de ces grands chantiers du port et de ces grands chantiers de la sidérurgie. Et nous avons souhaité, au moment où l'on rouvre ce lieu, avec une optique renouvelée, montrer à quel point, toujours aujourd'hui, ce lieu est encore et restera un miroir d'une ville industrielle, ville portuaire.
Ce soir, si vous ne savez pas quoi faire, plutôt que repartir à Paris, restez pour la nuit à Dunkerque. Il y a des chansons, il y a du rythme, on boit un coup, on mange un morceau dans des restaurants de la citadelle et on fait la fête pendant toute la nuit. Et quand vous aurez fait les bordées dunkerquoises, vous vous direz au mois de février, je reviens pour faire carnaval. Et là, vous en avez pour 6 semaines. 6 semaines avec nous, un vrai petit bonheur.